Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteur, diplômée en écriture créative et coach sur roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants. Et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello, collègues écrivains, je suis très contente de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs consacré au Nano Remo qui débute demain. Euh, si tu ne connais pas ce challenge, je vais t'expliquer rapidement en quoi il consiste. Mais surtout, ce que j'aimerais euh, faire aujourd'hui, c'est un petit peu te donner mes conseils pour le réussir après avoir. Réussis deux fois le challenge et euh, te donner un petit peu voilà des pistes pour rester serein pendant le challenge. Alors le Nano c'est quoi Je te mettrai un lien plus détaillé dans la description de l'épisode pour que tu euh, comprennes un petit peu comment ça fonctionne, comment s'inscrire, euh, etc. Mais il s'agit donc d'un challenge, le National Novel Writing Month, excuse-moi pour l'accent, un challenge créé aux États-Unis qui consiste tout simplement à écrire son roman en novembre. Alors effectivement, son roman en entier c'est un peu ambitieux, mais euh, le principe du nano c'est de se fixer un objectif, un nombre de mots à atteindre. Le classique, c'est 50 000 mots, ce qui peut effectivement correspondre à un bon bout de roman, mais c'est pas obligatoire du tout. Et ensuite, eh bien de se débrouiller pour atteindre l'objectif, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors mon premier conseil c'est tout d'abord de bien choisir cet objectif-là, justement. Effectivement, beaucoup d'auteurs qui tentent le Challenge Nano Remo se fixent comme objectif les fameux 50 000 mots. Mais si tu divises par 30, ça fait 1667 mots à écrire chaque jour. Et c'est énorme. C'est vraiment énorme, surtout si tu n'as pas forcément l'habitude d'écrire ou que tu écris parfois une centaine de mots par-ci par-là au cours de tes sessions. 1600 mots, c'est énorme. Alors certes, c'est possible, mais ça nécessite vraiment... Bah quelques ajustements dans ton emploi du temps, une organisation un peu au top, etc. C'est pas pour autant que c'est impossible, même si on travaille de 9h à 18h, je l'ai déjà fait et j'ai atteint mon objectif euh, les deux fois, mais effectivement ça a nécessité tout d'abord pas mal de préparation de mon côté d'organisation. Euh, pas mal de volonté aussi, hein. euh, je ne te cache pas que pour écrire après le dîner euh, en novembre quand il fait bien froid et qu'on est bien fatigué, c'est pas toujours facile. Et surtout eh ben, les week-ends. En effet, euh, notamment en 2019, j'ai atteint mon objectif de 50 000 mots pour le Nano en écrivant presque essentiellement le week-end parce que la semaine j'étais eh ben, un peu trop fatiguée. Donc c'est totalement possible, euh, même avec un emploi du temps chargé, mais voilà, sache que ce mois-ci sera très intense. Euh, je préfère te prévenir, et c'est pourquoi je recommande aux écrivains dont c'est vraiment la première fois ou qui ne sont pas sûrs d'eux, eh bien de ne pas se fixer un objectif de 50 000 mots, mais plutôt par exemple de 10 000 pour commencer. Alors, ensuite, mon autre conseil serait de préparer ton roman ou en tout cas d'adopter la méthode de préparation qui te convient. Tu le sais, euh, la préparation de romans, c'est un petit peu ma passion. J'y ai d'ailleurs consacré un épisode de podcast à la fin de la saison 1. Et effectivement, euh, pour le Remo, ça ne déroge pas à la règle. On ne peut pas écrire 50 000 mots si on ne sait pas de quoi on va parler où, et où on va. Ou en tout cas, si cette méthode de préparation ne nous convient pas. C'est pourquoi je te conseille vraiment, euh, non seulement de bien adopter la méthode de préparation qui te convient, je te mettrai un petit lien dans la description de l'épisode pour que tu saches comment faire, mais surtout... Et bien ensuite d'embarquer cette préparation là avec toi. Si par exemple tu as un synopsis pour ton roman, je te conseille par exemple de l'imprimer et de le trimballer avec toi parce que sûrement que pour ce nano remote tu vas essayer d'écrire peut-être sur ta pause déjeuner ou le soir et donc de toujours avoir à portée de main en fait les outils qui te rassurent. Alors bien sûr si c'est une préparation sur un outil web euh, ou informatique, bah tu n'auras pas besoin <laughs> de trop t'embêter, mais parfois ça peut être bien aussi d'avoir un synopsis sous la main. Ou encore, ben, tes, tes fiches personnages, ton tableau de scène, bref, tout ce que tu auras utilisé pour préparer euh, ton roman. Ensuite, ce que je te conseille vraiment euh, par rapport à mon expérience, c'est de t'entraîner à écrire une scène. Je m'explique. Effectivement, ça peut paraître bizarre comme conseil, mais si c'est la première fois que tu fais l'anorimo et peut-être même la première fois que tu écris un roman, c'est assez difficile de se mettre tout de suite à écrire une bonne scène. En général, c'est même assez difficile et pour certains auteurs ça peut bloquer. Et du coup bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe que en plein milieu de, ta, de tes sessions d'écriture du nano Remo, tu vas rester bloqué. Euh, je te conseille donc vraiment de te poser avant l'écriture de chaque scène, en particulier si la préparation te rassure, et vraiment de te poser un peu les questions du décor, de comment la scène va se dérouler, débuter, se terminer, son intérêt pour l'intrigue et les informations que tu souhaites donner pendant cette scène. En fait le risque avec le nano c'est que comme il faut écrire beaucoup de mots on tombe très facilement dans l'excès de partir en roue libre à partir d'un début de scène et de se retrouver avec la moitié du manuscrit que tu ne vas finalement pas garder parce que les passages ne sont pas forcément intéressants. Je te conseille donc vraiment de marquer ces petits points d'arrêt avant d'écrire chaque scène pour bien te remémorer bien à quoi elles servent et pourquoi tu les écris, ça t'évitera d'écrire certes plein 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 de mots mais par contre qui ne serviront pas à grand-chose pour ton intrigue. Cela dit, c'est quand même bien euh, d'écrire pas mal de mots, même si à la fin tu dois faire un petit peu de nettoyage. Ça, c'est forcément comme ça que ça marche l'écriture d'un premier G, ne l'oublie pas. Néanmoins, voilà, je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre euh, écrire euh, une scène où il va falloir ajuster et enlever quelques éléments, ça c'est tout à fait normal, et euh, avoir des scènes entières où on se demande finalement à quoi elles vont nous servir dans la version finale. Alors, euh, un autre conseil qui m'a beaucoup aidé pour ma part, c'est de reconnaître un peu mes moments de flot créatif. J'en parle assez souvent aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Le flow créatif, c'est un petit peu ce moment d'inspiration, euh, où on est en train d'écrire à fond avec les, les doigts qui écrivent presque tout seuls sur le clavier. Et ça, bah, ça n'arrive pas toujours. C'est un peu le moment vraiment euh, purement créatif. C'est là que je trouve vraiment mes meilleures idées, d'ailleurs. Et effectivement, bah, j'ai choisi de chouchouter un peu ces moments-là. Et par exemple, moi, ils arrivent par, en particulier quand j'écris dans des lieux publics type café. Et je sais bien que, par exemple, en semaine... Le soir, ce n'est pas là que je vais me retrouver dans un café où, euh, je, serai, où je risque plus facilement d'être en plein moment de flow créatif et c'est donc pour ça que je privilégie l'écriture les week-ends. Si pour toi c'est plutôt le soir, le matin, le midi, etc., et euh, avec peut-être un thé particulier que tu as bu avant ta séance ou encore sur un support particulier comme sur papier par exemple, n'hésite pas à bien noter ces moments de flow créatif pour pouvoir les reproduire ensuite. C'est là que tu écriras au mieux et que tu trouveras peut-être les meilleures idées. Alors un nouveau conseil très nano remove friendly. Euh, c'est de ne pas perdre trop de temps avec ton suivi de mots. Je sais que certains auteurs adorent faire des statistiques de leur nombre de mots, aller tous les jours sur le site pour entrer les nombres de mots qu'ils ont écrits, etc. Et certes, c'est important puisque tu dois quand même écrire un, cer un certain nombre de mots et atteindre ton objectif. Néanmoins, il ne faut pas non plus être obsédé par ça et par exemple se flageller si euh, tu commences à avoir un petit peu du retard sur la courbe qui est proposée euh, sur le site du Nano C'est pourquoi je te conseille d'utiliser un outil très très simple. Par exemple, d'écrire simplement ton nombre, le nombre de mots que tu écris chaque jour sur une feuille, ou encore ton objectif de nombre de mots par jour. Par exemple, si ton objectif sur le NanoRemo global c'est 50 000 mots, bah, il va falloir que tu écrives chaque jour 667 mots, et de barrer à chaque fois que tu atteins une tranche de 667 mots. Je te conseille vraiment euh, d'utiliser un support papier plutôt que de regarder le site du NanoRemo toutes les deux secondes, parce que ça peut vraiment être anxiogène. Euh, d'être eh ben, constamment fourré sur le site du NanoRimo et surtout ça peut te, per te faire perdre du temps d'écriture tout simplement. Alors un nouveau conseil et mon préféré c'est de participer aux événements de la communauté du NanoRimo et notamment les Write-In. C'est vraiment ce que je préfère dans le NanoRimo. Ça permet de rencontrer des gens, de s'entraider quand on a un passage difficile à écrire, une panne d'inspiration, etc. Moi j'avais rejoint la communauté Auvergne-Rhône-Alpes pour la plupart de mes nano et ça m'a permis de belles rencontres et un bon réseau d'auteurs par la suite. Euh, il y a plusieurs événements qui peuvent être organisés par la communauté, alors je sais qu'en ces temps euh, de post-pandémie ça peut être un petit peu variable, mais n'hésite pas à te renseigner auprès de la communauté euh, dont tu fais partie, euh, de ta région, etc. Et pour cela, eh bien, je t'indiquerai comment faire dans la description de l'épisode. Et enfin, mon conseil préféré, les guerres de mots. Les guerres de mots, c'est vraiment ce que je te conseille, si tu, notamment si tu t'es fixé un objectif ambitieux. Ce sont donc des concours de mots, on va dire, sur des sessions chronométrées, sur 15 ou 20 minutes, mais ça peut aussi être plus, où tu vas tout simplement devoir écrire le plus de mots possible. Et tu le sais, j'en organise très régulièrement dans mes lives Instagram, par exemple, mais aussi sur la communauté, j'écris un roman. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de se dépasser et d'atteindre son objectif en termes de nombre de mots. Parce que eh bien, quand le chrono est lancé, il n'y a plus le choix, il faut écrire, écrire, écrire. Et surtout, si tu t'es fixé un objectif un petit peu plus ambitieux que ce que tu fais d'habitude, je te conseille vraiment de faire des guerres de mots. Et si tu souhaites me rejoindre, je suis en live sur Twitch tous les mercredis à 20h, ainsi que sur Instagram, pour faire ces fameuses guerres de mots. Donc n'hésite pas à essayer. J'espère que euh, cet épisode t'a donné quelques pistes pour réussir ton objectif pour le nano Remo. N'hésite pas à venir en discuter avec moi sur Instagram ou ailleurs. Et quant à moi, je te souhaite eh bien, un beau challenge. N'oublie pas de relâcher la pression. Tu fais ça pour le plaisir. C'est très important que tu te fasses aussi plaisir et que tu ne partes pas dans l'obsession de la courbe, du retard, etc. Surtout, profite de ton moment, profite du challenge de l'écriture et j'espère te voir sur la communauté J'écris un roman pour en discuter et faire quelques guerres de mots ensemble. À dans deux semaines. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs